passe-t-il, mon garçon? Un des destroyers stellaires se dirige vers moi. Il faut que je parte d'ici. Tu ne t'en sortiras pas, attends. Tu dois le faire s'écraser sur le canon. Quoi? Vous êtes fous, c'est énorme! Tu es un Jedi, voyons. Tu sais que la taille importe peu. Utilise la force pour contrôler ce vaisseau, ou tu périras sous un amas de ferraille. Pourquoi je détruis ces trucs-là? Parce que, pour le moment, tant qu'ils me dérangent, je peux rien faire. Tu pourrais revenir, s'il te plaît? Mais chaque fois, il passe devant moi. Et puis chier. Ah! Utilise la force pour prendre le contrôle de ce destroyer. On va remonter. On remonte. On monte. Utilise la force pour prendre le contrôle de ce destroyer. Mais bah je fais ce que je peux, hein. Qu'est-ce que je fais après? Je le ramène? Bien. Maintenant, fais-le s'écraser. Ok. Vite, avant que... Ça va. Comprenez maintenant pourquoi il faut les détruire. Surtout, faut se dépêcher parce qu'ils essaient à chaque fois de se replacer maintenant le machin. Hein. Ah, ils ont bien compris ce qu'on essayait de faire avec leur joli destroyer. Hein. Ok, plus qu'un. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Utilise la force pour prendre le contrôle de ce destroyer. Allez. Dépêche. Quand vous voulez. Le jeu, c'est quand tu veux. Bien. Maintenant, fais-le s'écraser. On prend les dégâts, c'est pas grave. Oh, le jeu, ça te dirait bien de me laisser des... Mais ça prend moi de la vie. Saleté. Oh, super. Faut évidemment que je tombe en panne à ce moment-là. Quel machin qui est en train de se rebarrer. Ok, plus qu'un. On doit se dépêcher, hein, parce que... Chier, hein. Non mais... Repasser, hein, histoire que... J'aimerais, général! Mais c'est pas simple! Allez, copain! La terre ferme, c'est bien, non? Moi, je dis que la terre ferme, c'est bien! Très bien! Avant qu'ils appellent un autre escadron, surtout que là, il est vachement proche, donc là, ils peuvent venir super vite.
Allez. Replace-toi. En vert. Le jeu quand tu veux. Putain, je déteste quand le jeu plante comme ça. Non mais arrêtez, oh. Je les vis tes putains de TIE Fighter. Écraser ce putain de destroyer, t'es merde, mais couille! C'est chiant! Non mais. Hé, hey, l'éclair était sur lui là! Monsieur l'arbitre! Réduis-le en miettes! J'aimerais, général, j'aimerais! Tu sais quoi? On va attendre que ce soit bien placé. Mais merde, ils ont le temps de revenir encore! Mais là, vous voulez que je fasse quoi? Comment je le place là? Eh hey, oh! Le jeu a planté! Parce que je me faisais tirer dessus. Parce que le jeu considère que le machin est déjà écrasé, mais... Vous êtes chiant. Vous êtes chiant. Allez. Réduis-le en miettes! J'aimerais bien, général! Allez, bug plus, s'il te plaît! On est arrivé à la fin, là! Comme ça? Allez! Voilà! Allez. Ah là, je m'en fous! Le machin est trop proche pour que je m'arrête! Même si on me tire dessus, je le ferai s'écraser! Même si je crève, il s'écrasera avant! Je tiendrai la main! Allez! Écrase-toi! Ouais, ouf! Et allez vous faire foutre! Peu importe la taille, seule la force compte, mais quand même, merde, il y a des limites! Et merde! Et maintenant on sait plus l'arrêter, bien sûr! On avait la galère à le ramener, maintenant on a la galère à l'arrêter! Faut se tirer! Starkiller, casse-toi! Starkiller, reste pas là! Tire-toi, mais tu vois bien que tu peux pas l'arrêter! Barre-toi! Tu es là, mon garçon? Le vaisseau est détruit? Je répète, est-ce que le vaisseau est détruit? Réponds! C'est la dernière fois que je fais ça. Réponds! Du calme, général, je suis là. Proxy, tout va bien? On t'a presque oublié. Oui, je crois. Mais il serait peut-être plus raisonnable que vous me laissiez ici. Qu'est-ce que tu racontes? L'onde de choc. Elle a vraiment endommagé mon processeur. Mon programme principal a été effacé.
Je suis devenu inutile. Proxy, je ne t'abandonnerai pas. Viens. Donc en gros, il sait même plus pourquoi il existe en fait. Après ce que tu as fait sur Raxus Prime, l'empereur est extrêmement contrarié. Les ennemis de l'empereur hésitent encore. Je commence juste à gagner leur confiance. Si on me surprend en train de vous parler, ou s'ils ont des soupçons sur mon passé, tout ça n'aura servi à rien. Surtout ne tarde pas à me reconnecter. Oula, les lags. J'espère juste que ça fera pas de décalage son. J'ai pas envie de couper en pleine cinématique, moi. Tu lui fais confiance ? Vador ne compromettra pas ma mission, même s'il se méfie. On est arrivé ? On a atteint Corellia. Et ils sont tous là. Bale et ses alliés. La voilà ton alliance rebelle. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire ? Fais-moi confiance. D'accord ? Je ferai ce qu'il y a de mieux. Pour tous les deux. Il entend par là pour elle et pour l'alliance rebelle. Quand il parle de tous les deux. Le temps de la diplomatie et de la politique est révolu, c'est vrai. Nous devons agir. Si tu prends le commandement, nous rejoindrons l'Alliance. Je ferai de même. Le retour du général. Bon, il est toujours aveugle, mais... Vous croyez évanoui dans la soute? J'ai repris connaissance. Alors c'est décidé. Ma fortune financera la rébellion. Garm nous fournira des vaisseaux, et Mon Mothma des soldats. Et avec toi à notre tête, nous avons le pouvoir de la force de notre côté. Célébrons ce qu'il est convenu d'appeler une déclaration de rébellion. Aujourd'hui, nous faisons le serment de changer la galaxie. Pour qu'un jour, la galaxie soit enfin libre. Oh, merde! L'Empire! Proxy! Coupe la transmission! Décidément, la princesse ne fera jamais choper. Hein. Enfin, à partir de l'épisode 4, ok. Prenez les vivants. L'Empereur tient à les exécuter personnellement. Il nous a encore trahis. Oh, ça devrait même pas nous étonner. Je te félicite, mon apprenti. Voilà pourquoi le pouvoir de la force est tellement génial, ça va trahison sur trahison. Vous ne deviez pas intervenir! Je t'ai menti. Je te mens depuis le début. Vous ne cherchiez donc pas à éliminer l'Empereur? Pas dans l'immédiat, non. Et il sous-entend quand même qu'il le tuera un jour. Sans moi, vous ne serez jamais libre. Proxy est mort. Et nous, on a pu se tirer. Mais Proxy est mort, et c'est pour ça que c'est sûrement un des jeux préférés des fans, parce que beaucoup de gens sont attachés à Proxy. Donc voilà, hein. Et dans les ténèbres de la brume de l'hiver de Corellia, se cachait un corps qui s'est laissé tomber. Mais notre ange gardien, notre copine vient nous sauver. C'est terminé. Vador les a tous livrés. À l'Empereur. Je ne comprends pas. Pourtant, c'est bien Vador qui nous a permis d'attaquer des cibles impériales. Il avait tout calculé. Les crédits, les vaisseaux, les soldats de l'Empire. Peu importe les sacrifices. Vador avait besoin de moi pour trouver les ennemis de l'Empereur coûte que coûte. Et j'ai fait exactement ce qu'il m'a demandé. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, c'est le sort de l'Alliance qui est entre tes mains. En plus, t'en es le chef, alors... On va chercher Vador.
et les rebelles. Pour que l'épisode 4 puisse exister. Tu crois que c'est le moment de faire léviter des objets, là? Qu'est-ce que tu fais? Oh, je médite. Les Jedi arrivent parfois à entrevoir l'avenir. Tu as déjà fait ça? J'ignorais que j'étais un Jedi. La touche d'humour. Si tu veux, la clé à molette, elle est là. Hein. Non. Kota! Quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Une station spatiale. Gigantesque. L'étoile noire. Première du titre. Enfin, l'étoile noire. La deuxième, c'est l'étoile de la mort. Mais bon, enfin, pour nous autres français, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme ça qu'on différencie les deux. Maintiens le champ de dissimulation et reste hors de portée des scanners. Oh, j'ai comme un mauvais pressentiment. Qui sait, c'est peut-être bon signe. Est-ce que je te reverrai? Si je libère les rebelles, il faudra les évacuer. Je ne crois pas, non. Alors ce sera plus facile d'oublier ça. Fallait bien qu'on embrasse la fille à un moment donné ou un autre, on est le héros du jeu, donc, hein. Adieu, Juno. Et maintenant, on va aller tabasser Vador, l'Empereur, et toutes les troupes impériales qui se trouvent dans cette étoile noire, pour sauver l'Alliance Rebelle et permettre à l'épisode 4 d'exister. Attention, préparez-vous! Atterrissage! Perfect! Mais stop. Parce que là, nous nous arrêtons ici. Déjà, je sauvegarde. Si. Ça. Voilà. Ensuite, bah oui, j'ai 0 points. Bah oui, Valmar, tu n'as pas gagné de level. Tu as beau avoir dégommé un destroyer stellaire, ça ne compte pas. Bref, donc sur ce, les vagins, appuyez sur Timouillard, j'ai dû gagner la suite, et ciao, on se retrouvera donc pour les prochains épisodes, puisque je sais que c'est découpé en 20 minutes. Si je découpe en 20 minutes, c'est parce que vraiment, c'est tellement puissant au niveau de gigaoctets. Je veux dire, un épisode de 20 minutes de Star Wars Le Pouvoir de la Force peuvent atteindre 3,10 gigaoctets au moins. Hein. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est assez lourd quand même comme épisode à envoyer. Donc, voilà. Donc, dans les prochains épisodes, on se fait l'étoile noire, on se tabasse Vador, l'Empereur, on sauve l'Alliance Rebelle, et on termine le jeu. Puisque oui, c'est le dernier level. Donc voilà. Donc sur ce, les vagins, à plus porter William Angie Gomez, et c'était ciao ciao, on se retrouvera donc pour les derniers épisodes, pour la fin du jeu côté lumière, vous aurez aussi le côté obscur, vous inquiétez pas, c'est prévu au programme, je vous le rappelle, et vous aurez ensuite les DLC, à moins que vous m'ayez demandé avant, vous savez, par rapport à si on envoie le premier DLC après Kashyyyk ou après Felucia, hein, puisque voilà, c'est quelque part par là que se place le premier DLC, voilà, et pour le... Pour ce qui est du... Ah zut, je vais y arriver. Pour ce qui est des deux autres, ben ça arrivera après la fin obscure, en fait. Puisqu'ils sont une suite à la fin obscure. Ouais, pour une fois, LucasArts a fait une suite au choix du côté obscur. Faut savoir que jusqu'à maintenant, c'était toujours le choix lumineux qui était le canon dans le jeu, donc dans l'histoire et donc dans la chronologie. L'obscur, c'était une version bad end, en fait. Voilà, vous voyez. Et ben dans ce jeu, ils ont décidé que la bad end allait avoir une suite avec des DLC. Voilà. Ils ont refait la même chose avec Le Pouvoir de la Force 2, mais cette fois-ci avec un seul DLC, malheureusement. Mais bon, voilà, vous avez compris l'idée, quoi. C'était plutôt une bonne idée de donner une suite à la bad end, voilà. Voilà. Donc, sur ce, à plus, portez-vous bien, je gagne, c'est suite, et ciao, on se retrouvera donc pour les derniers épisodes, comme je l'ai dit. Allez, à plus.